Bonjour, je suis content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Nous allons donc ensemble effectuer une nouvelle séance d'hypnose. Cette séance d'hypnose a pour thème la gestion de la colère. Je vous souhaite donc une très bonne séance d'hypnose au travers de cette vidéo. Merci à vous. Très bien, je vais donc vous demander de vous asseoir sur une chaise ou sur un fauteuil. Le choix n'est pas important. L'important est que vous soyez confortablement installé. Merci. Parfait. Maintenant que vous êtes assis, vous essayez de trouver donc une position relativement confortable. Le mieux pour vous. Parfait. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Donc vous fermez les yeux comme ceci, très bien. Et alors que vous trouvez cette position confortable, vous allez vous concentrer sur votre respiration en inspirant profondément et en expirant lentement. Parfait, comme ceci. Vous inspirez profondément. Très bien. Et vous expirez lentement. Parfait, comme ceci. Vous pouvez même imaginer peut-être une bulle qui monte à l'horizon. Quand vous inspirez profondément, la bulle monte. Elle monte de plus en plus. Parfait. Vous expirez lentement et cette bulle redescend lentement. Parfait. Vous écoutez ma voix, vous vous détendez et vous essayez de visualiser cette bulle qui monte lors de votre inspiration. Cette bulle monte, monte, monte. Monte et elle redescend, redescend, redescend. Inspirez profondément comme ceci, très bien. Et vous expirez lentement. Parfait. C'est parfait. Continuez d'écouter ma voix, inspirez profondément et vous vous concentrez sur cette respiration. En inspirant profondément et en expirant lentement. C'est parfait, comme ceci, très bien. Dans quelques instants, vous serez plus détendu que vous ne l'avez jamais été. Vous pouvez peut-être entendre des bruits extérieurs, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que vous concentriez sur cette respiration et que vous écoutiez ma voix, comme ceci, très bien. Vous concentrez sur cette respiration, vous continuez d'inspirer profondément, comme ceci. Et d'expirer, plus vous écoutez ma voix et plus vous pouvez ressentir un confort qui commence à s'installer progressivement en vous. Très bien, parfait comme ceci. Je vais maintenant mentionner certaines parties de votre corps. Et ce faisant, vous sentirez ces parties commencer à se détendre. Maintenant que vous vous sentez de plus en plus détendu, que votre respiration devient de plus en plus profonde et calme, vous pourrez peut-être imaginer que vous êtes sur un petit voilier très beau. Vous êtes complètement détendu, allongé sur ce petit voilier.
Et vous pouvez même sentir le soleil qui réchauffe votre corps. Vous sentez le soleil qui réchauffe votre corps, chacun de vos muscles, de vos nerfs, de vos os, tous les os de votre corps. C'est tellement agréable de ressentir le soleil qui réchauffe votre peau. Une sensation de tranquillité, d'apaisement envahit tout votre corps. Une sensation de douceur, d'harmonie. Cette chaleur vous amène un confort optimal, une tranquillité. Vous vous sentez bien. Le ciel n'a jamais été d'un si beau bleu. Il n'y a que quelques petits nuages ronds suspendus dans le ciel. Et alors que vous entendez les bruits de la mer, vous commencez à vous sentir de plus en plus paisible. Alors que je mentionne certaines parties de votre corps, je sens ces parties commencer à se détendre, afin que dans quelques instants, vous soyez plus détendu que vous ne l'avez jamais été. En commençant par le front, vous sentez toutes les petites rides d'expression, toutes les petites lignes d'inquiétude du front semblent disparaître. Votre front se défroisse, il se détend, il semble si détendu que vous pouvez peut-être même ressentir l'apaisement arriver autour de vos yeux. Vos yeux se détendent. Vous sentez bien. Et vos cils aussi. Vos cils, vos paupières. Vos paupières sont lourdes. Elles semblent ne pas vouloir s'ouvrir. Elles sont lourdes et profondément fermées, dans une détente optimale. Vous sentez bien. Vos cils veulent peut-être battre un peu, c'est normal, mais ils sont détendus. Et vos paupières sont lourdes. Vous êtes complètement détendu. Et alors que cette relaxation descend, elle descend maintenant vers les muscles faciaux. Tous les muscles de votre visage commencent à se relaxer. Ils se relaxent de plus en plus. Et l'apaisement continue de descendre et arrive autour de votre bouche, comme ceci, votre bouche se détend. Maintenant, les centaines de petits muscles autour de cette bouche commencent à se détendre aussi. Tant et si bien que votre mâchoire inférieure devient lourde et
les dents se séparent. Ils se séparent, comme ceci. Tout se détend. Votre mâchoire est si détendue maintenant que votre bouche peut même s'entrouvrir un petit peu avec toute cette relaxation. Et vous continuez à être de plus en plus détendu. Vous écoutez ma voix et vous êtes de plus en plus détendu. Vous ressentez cette détente vous envahir de plus en plus. Vous ressentez maintenant relaxation autour de votre mâchoire inférieure. Cela passe derrière vos oreilles, si bien que toutes les petites terminaisons nerveuses derrière les oreilles semblent se détendre, elles aussi, et vous vous enfoncez de plus en plus profondément. Et les sons de la mer vous disent d'aller plus profond. Les sons de cette mer sur ce petit voilier. Cette chaleur qui caresse votre peau vous aide à descendre encore plus profondément dans cette transe agréable. La relaxation arrivez à l'arrière de votre cou maintenant. Elle descend pour entourer vos épaules. Tant de tensions semblent s'échapper. S'échapper de ses épaules. Vous sentez que vos épaules commencent à se détendre. Vous les sentez s'affaisser. S'affaisser un peu. Et maintenant qu'elles sont détendues, vos épaules libèrent toute leur tension. Vous êtes parfaitement détendu. Parfaitement apaisé. Et ainsi ce relâchement arrive jusqu'à votre colonne vertébrale. Et maintenant, il descend le long de votre colonne vertébrale. Il descend, il jaillit des deux côtés, sur chaque muscle, chaque nerf, et fibres de votre dos. Et votre dos se détend lui aussi. Il se détend de plus en plus. La relaxation s'empare maintenant de la partie inférieure de votre dos. Comme ceci. Il se prolonge jusqu'à votre cambrure. Cette sensation de relâchement arrive à l'arrière de vos fesses. Et elle descend le long de vos cuisses arrière. Jusqu'au creux de vos genoux. Il s'enveloppe même autour de vos mollets. Vous ressentez vos mollets se détendre. Elle continue de descendre le long de vos talons. Vos talons se détendent.
Vous ressentez cette relaxation descendre sous vos pieds. Ses pieds se détendent. Et elle passe entre vos orteils. En commençant par le pouce. Elle atteint chacun de vos orteils qui se détendent les uns après les autres. Tout votre corps se détend de plus en plus, agréablement détendu. Et vous ressentez toujours le soleil qui réchauffe tout votre corps. Ce corps qui se détend de plus en plus profondément. Vous enfoncez de plus en plus profondément et encore plus profondément. Et vous entendez les bruits de la mer. Vous sentez l'air frais de la mer. Apaisez votre corps entier. Vous êtes parfaitement détendu, totalement apaisé. Vous êtes calme, très apaisé, détendu. Votre tête et votre dos sont si détendus, tellement détendus. Maintenant, vous sentez les muscles de votre gorge qui commencent eux aussi à se détendre. Les muscles de votre gorge se détendent. Et la relaxation descend vers le devant de vos épaules. Vers le haut de vos bras. Jusqu'à vos coudes. Et descend vers les avant-bras. Jusqu'aux mains. Et alors que chacun de vos doigts se détend de plus en plus, vous vous enfoncez de plus en plus profondément. Très profondément, vous vous enfoncez encore plus profondément, parfaitement détendu, parfaitement apaisé. Vous sentez cette chaude relaxation revenir aux muscles de votre gorge. Descendre vers votre buste et tous les muscles et organes à l'intérieur de votre cage thoracique. Ils commencent eux aussi à se détendre. Cette décontraction continue au plus profond de votre estomac. Et tous les muscles et organes de cette zone se détendent. Ils se relâchent, ils se détendent. Le relâchement descend maintenant vers vos fesses. Il continue de descendre vers les genoux. Vous êtes de plus en plus serein et vous vous enfoncez de plus en plus profondément.
Vous êtes parfaitement apaisé, complètement détendu. Vous êtes le petit voilier blanc et vous sentez le soleil qui réchauffe votre visage, couvre vos épaules. Vous inspirez l'air frais. Vous ressentez la chaleur de ce soleil et vous vous enfoncez profondément, encore plus profondément. Avec une détente agréable, vous sentez apaisé, relâché, dans un confort optimal. Et maintenant, alors que vous vous enfoncez encore, vous allez quitter le petit voilier. Vous allez quitter le petit voilier et vous mettre debout. Vous imaginez que vous êtes debout, en haut d'un magnifique escalier. Vous êtes debout en haut de ce magnifique escalier, le plus bel escalier que vous n'ayez jamais vu. Et alors que je vais compter à l'envers, de 10 jusqu'à 0, chaque chiffre va vous faire aller encore plus profond dans cette transe hypnotique, dans un confort extrême et une détente de plus en plus agréable. 10. Vous descendez la première marche, plus profondément encore plus profondément. Vous descendez cette première marche, détendu, agréablement détendu. Neuf. Alors que vous continuez de descendre les escaliers, vous vous sentez de plus en plus tranquille. Vous descendez cette deuxième marche parfaitement tranquille, détendu, parfaitement apaisé, parfaitement à l'aise, de plus en plus profondément détendu. Vous descendez cette deuxième marche. Huit. Alors que vous descendez toujours cet escalier, vous sentez encore plus tranquille, parfaitement détendu, parfaitement apaisé. Vous continuez de descendre parfaitement à l'aise, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. Vous détendez et vous descendez cet escalier, agréablement détendu, parfaitement tranquille. Vous continuez de descendre. 7. Alors que vous descendez toujours les escaliers, vous sentez tranquille, toujours détendu, parfaitement apaisé. Parfaitement détendu, complètement apaisé, de plus en plus profondément. 5. Vous êtes détendu, complètement apaisé,
de plus en plus détendu, parfaitement à l'aise. Alors que vous descendez toujours ces escaliers, vous sentez tranquille, détendu. 4. Vous continuez de respirer profondément et vous vous sentez toujours de plus en plus détendu. Continuez de respirer profondément, de plus en plus détendu. Vous êtes parfaitement apaisé, vous respirez profondément, apaisé, vous continuez de descendre ces escaliers. 2. Vous continuez de respirer profondément comme ceci, très bien. Vous descendez, parfaitement apaisé. Vous êtes à l'aise. 1. Vous continuez de respirer profondément et vous sentez agréablement détendu, parfaitement apaisé, en complète sécurité et plein de bonheur. 2. Maintenant que vous êtes en bas de cet escalier, vous pouvez vous imaginer dans un espace agréable, un espace de confort, un endroit où vous êtes bien, avec des ondes de bien-être qui parcourent tout votre corps de la tête aux pieds. Comme un bain chaud, agréable et sécurisant. Et vous pourrez à tout moment, au cours de cette séance d'hypnose, retrouver ce lieu sécurisant, agréable et réconfortant. Ce lieu est votre zone de confort que vous pouvez retrouver à tout moment pendant cette séance d'hypnose. Chacun des mots que vous entendez, sans vraiment écouter, vous permettent de glisser de plus en plus profondément tout à l'intérieur, dans un espace mental où tout est agréable et confortable. Et les mots n'ont plus d'importance. La seule chose qui importe, c'est de prendre conscience que le temps peut se ralentir. Vous pouvez simplement avoir le sentiment d'avoir du temps, tellement plus de temps, encore plus de temps. Et maintenant, chaque nouvelle sensation que vous pouvez percevoir est une douce invitation à descendre tout à l'intérieur de vous-même. Je ne vous connais pas et je ne sais pas ce que vous devez faire exactement. Ce que je sais, c'est que personne ne peut vous dire exactement ce que vous devez faire. Chaque mot que vous pouvez choisir d'entendre sans écouter ou d'écouter sans entendre vous permet de glisser de plus en plus profondément. Et cette voix peut devenir semblable à la voix de quelqu'un que vous aimez bien. Quand un événement très désagréable survient, il est légitime que cela nous affecte. Il arrive bien sûr que l'on veuille chercher à l'oublier. Et ce n'est pas toujours nécessairement une bonne idée, dans un premier temps. Une partie de vous-même pourrait même penser qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Et une autre partie de vous-même sait parfaitement qu'elle n'y est pour rien.
Vous êtes en ce moment dans cet endroit agréable qui n'appartient qu'à vous-même, en toute confiance et en toute sécurité. Vous pouvez prendre conscience que la colère est souvent perçue comme un sentiment inutile, et pourtant, elle est parfois nécessaire, voire salutaire. Dans un instant, il va se passer quelque chose de très particulier. Cette colère va pouvoir, en toute sécurité, s'accentuer, se développer et arriver à un certain point, elle sera libératrice et pourra ensuite se dissoudre. Je ne sais pas quand exactement vous allez ressentir cette colère. Peut-être qu'elle pourra prendre la forme d'un sombre nuage noir ou de toute autre représentation mentale qui vous conviendra. Prenez tout le temps nécessaire. Et quand vous aurez obtenu une représentation qui vous conviendra, vous pourrez bouger un doigt de votre main, peu importe la main, en signe de réponse, vous bougerez un doigt de votre main, peut-être l'index. Et cette colère peut croître, devenir plus forte, plus sombre. Elle est parfaitement légitime et se renforce à chaque instant. Vous pouvez vous surprendre à aimer cette colère. Goûtez-y pleinement. Plus elle se renforce, plus elle vous donne envie d'affronter cette souffrance. Quelle que soit la forme choisie, vous pourrez vous imaginer frapper cette colère, faire face à cette souffrance. Et maintenant, ou dans un instant, vous pourrez laisser cette colère disparaître ou s'éloigner. Elle fait place à un sentiment étrange et différent. Et votre jardin intérieur commence à se reconstruire. Il se reconstruit. Ce jardin détruit par une tempête se reconstruit patiemment. Et il arrive souvent qu'il puisse être aussi beau qu'auparavant, encore plus beau qu'auparavant. Il se reconstruit patiemment. Commencez à ressentir une forme d'acceptation. Et vous savez parfaitement que vous serez capable dans l'avenir d'oublier ce qu'il est important pour vous d'oublier. Allez-vous oublier de penser au passé? Ou simplement penser à l'oublier. Je ne sais pas exactement ce que vous allez faire. Ce que je sais par contre, c'est que vous pouvez choisir d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et vous pouvez changer tout ce qu'il est important pour vous de changer. À partir de maintenant, toutes ces suggestions vont demeurer gravés, incrustés dans votre mémoire. Et vous pourrez être surpris de constater qu'après cette séance, ce sera plus facile pour vous d'oublier tout ce qu'il est nécessaire pour vous d'oublier. Même si parfois certaines choses peu agréables vous reviennent de manière fugace, cela ne durera pas.
Et cela pourra être comme un nouveau départ, avec une nouvelle façon de voir les choses. Un changement amène souvent d'autres changements. Je ne sais pas exactement comment vous allez faire pour guérir de cette blessure. Il existe en chacun de nous un enfant heureux, mais aussi un enfant triste, un enfant blessé. Il est parfois indispensable de dire au revoir à cet enfant intérieur. Vous pouvez choisir de le faire maintenant ou plus tard pour pouvoir continuer à avancer. Personne ne peut changer le passé. Personne ne peut changer ce qui s'est produit. Personne ne peut réécrire l'histoire. Alors même, si ce n'est pas facile, vous pouvez choisir de dire au revoir à cet enfant intérieur triste et blessé. Pour vous sentir libre, pour pouvoir faire ce qui vous fait plaisir, en toute confiance, en toute sécurité. Et vous pouvez prendre plaisir à ce nouveau sentiment de liberté pour aller vers plus de bonheur, plus de sécurité. Et chaque jour qui passe sera plus facile pour vous de laisser des pensées positives survenir. Et vous pourrez devenir de plus en plus capable de vous sentir parfaitement calme, tranquille, à sentir que vous êtes pleinement vivant et que vous pouvez choisir d'apprécier chaque journée, à vivre pleinement chaque instant. Il est vrai que certaines blessures laissent des cicatrices qui demeure toujours présente. Mais ces cicatrices deviennent un beau jour insensibles. Elles sont toujours visibles, mais on ne ressent plus rien. Je ne sais pas exactement ce que vous allez ressentir avec cette nouvelle façon de voir les choses. Vous pouvez choisir de le faire maintenant ou plus tard, juste avant plus tard. Et ce sera maintenant, ou simplement après maintenant, et ce sera plus tard. Même si une partie de vous-même ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé, une autre partie de vous-même sera capable de continuer à avancer. À avancer pour profiter de tous les plaisirs de la vie. Vous pouvez aimer à apprendre à oublier. Vous allez d'ailleurs oublier beaucoup de choses. Certains amis d'enfance peut-être, ou certains de vos jouets quand vous étiez enfant. Bien sûr, certaines choses ne sont pas faciles à oublier. Mais vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre à oublier. Oublier de vous rappeler. Ou peut-être de vous souvenir d'oublier. Chaque instant est unique et précieux, et ne se reproduira jamais plus. Et ainsi, le présent deviendra pour vous un cadeau, précieux et fragile. Et tout cela va continuer à agir bien longtemps dans votre inconscient. Et vous pourrez être surpris des résultats obtenus. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez revenir ici et maintenant. Et vous vous sentirez parfaitement bien.
la perception du temps sera comme transformée. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous pourrez vous sentir parfaitement bien, et même mieux que bien. 1. Reprenez doucement conscience de la position de votre corps. 2. Respirez profondément. 3. Bougez doucement les doigts. 4. Respirez encore plus profondément. 5. Vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir et revenir ici et maintenant.